Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve maintenant dans la toute dernière partie de cette construction de die-cut tag. On peut même dire façon mixed media, puisque vous m'avez vu dans les autres vidéos travailler la pâte de texture. Et lors du dévoilement final, donc qui va arriver dans quelques instants, vous pourrez constater effectivement que j'ai rajouté des petites choses que vous n'avez pas spécialement vues dans les autres vidéos.
Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de faire un passage en vidéo des différents tags et je mettrai ensuite une galerie photo pour que ce soit peut-être plus clair pour vous, que vous ayez donc une visibilité plus large, donc du tag, en tout cas de chaque tag, pour que ça puisse vous donner donc des idées. Alors, la toute première, on va dire, page, c'est ce tag que j'ai donc passé à la plastifieuse, qui est constitué d'une des cartes de la collection. On a un morceau de papier, donc comme d'habitude, je ne vais pas chaque fois repréciser de la collection, d'accord, puisque effectivement, je n'ai utilisé que ces papiers. J'ai pris deux sentiments, je vais les appeler comme ça, de la planche de sentiments. Donc, vous retrouverez bien sûr tous les liens en barre d'infos, d'accord. Ici, j'ai maté sur du papier vert, ici sur du papier bleu, et j'ai découpé deux die-cuts au niveau de la planche de die-cut numéro 1, et sachez qu'il y a une numéro 2. Alors, je vous avais expliqué que ici j'avais donc commis une erreur, à savoir que je n'avais pas réfléchi que ça allait s'ouvrir et donc je l'ai mis à l'envers. Donc voilà une erreur effectivement à ne pas commettre. Alors, ce que je pense faire, c'est... Donc, je vais faire comme ça et je vous montrerai donc dans la galerie photo. Alors, nous avons ici un autre tag que vous n'avez pas vu. Et ce tag, donc, j'y ai mis de la pâte de texture que j'ai colorisée avec... je le cherche pour vous le montrer. Avec mon aquamarqueur de chez Nouveau. D'accord? Donc, ça se présente comme ceci. Et donc, vous avez directement la possibilité d'aquareller si vous le souhaitez. Et donc, je l'ai mélangé à ma pâte de texture et voilà la couleur que ça a donné. J'ai ensuite réalisé une pochette avec une chute de cardstock bleu. J'y ai mis de la cordelette orange pour mettre un petit peu de couleur. Une découpe, j'ai fait un matage avec mon ciseau crampeur sur du cardstock vert et j'ai mis un nouveau sentiment. Voilà, à l'intérieur, j'y ai ajouté, on va dire, les... J'ai pas envie de dire les restes, les chutes, voilà, les chutes de la planche lettre. Et j'ai ajouté également un die-cut pas tout à fait détouré de plumes. Voilà. Alors, de l'autre côté, j'ai détouré une bonne partie des lettres et j'y ai ajouté des petites taches que vous pouvez voir. Et donc, ces taches, je les ai justement réalisées avec le stylo aquarelle de chez Nouveau que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, ça peut faire un fond très, très sympathique. On continue maintenant avec ce tag. Je vais retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si vous vous souvenez bien, ce tag, je l'avais réalisé en tutoriel avec vous. Mais je m'étais arrêtée au papier, à la pochette et aux trois tamponnages. Donc, ce que j'ai rajouté, ce sont deux sentiments. J'ai découpé les lettres VIE et donc l'œillet sert de point sur le I. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le die-cut bulle, j'ai mis du washi et j'ai mis un autre die-cut 365 sur 365. Et j'ai encore réalisé ces petites taches que j'adore. Voilà, à l'intérieur, j'y ai glissé un des tags que j'avais préalablement découpé et j'y ai donc mis un œillet. Et ce magnifique die-cut, je pense que c'est un de mes die-cuts préférés dans cette collection. Voilà. Alors, quand je vous parlais de mix média, eh bien voici un exemple type d'un tag travaillé façon mix média. C'est-à-dire, j'y ai mis de la pâte de texture ici et là. J'ai fait des coulures avec mon encre, pardon, mon stylo aquarelle, et j'ai pris également un stylo de chez Edding. De couleur blanche, je l'ai pas sous la main, mais bon, vous voyez, je suppose de quoi je veux parler. Et donc, je l'ai amorcé.
J'ai déposé le blanc juste ici, j'ai raclé comme ça et donc ça a fait des coulures. Ensuite, j'ai pris la mousse que je vous avais montrée, donc la Airy Mousse, je le dis en français, hein, voilà. Je l'ai mélangée avec de l'eau et j'ai pris un pinceau et j'y ai fait des taches, voilà. Ensuite, j'ai pris un feutre noir, j'ai passé donc le feutre tout autour de mon tag, j'y ai fait des petits motifs. Alors, j'ai repassé certains endroits au niveau de la pâte de structure et j'ai fait pareil ici au niveau des ronds et voilà ce que ça rend. Donc, on peut parler de tag effet mix média. Alors, notre petit hibou, je m'étais donc arrêtée au hibou et au ticket. Et ce que j'ai rajouté, un morceau de washi et j'y ai mis les lunettes, donc qui sont matées par un morceau de washi tape. Parce que regardez notre pauvre hibou. J'ai donc aspergé de blanc et également d'aquarelle nouveau. Et le pauvre, il en a eu dans l'œil. Donc je me suis dit, il faut absolument lui mettre des lunettes à ce pauvre hibou. Donc voilà la raison pour laquelle il y a le die cut lunettes. De l'autre côté, on s'était arrêté au tamponnage donc de l'étiquette. Ici, je vais l'appeler étiquette. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris la mousse donc qui m'a servi comme patine pour tout le tour. J'ai ajouté un morceau de washi tape. J'ai mis donc des paillettes avec du vernis colle, donc les paillettes qui étaient donc fournies dans le kit. J'ai pris un morceau de washi, l'étiquette, et j'ai également aspergé avec mon feutre nouveau et mon feutre Edding. Donc voilà le résultat, et celui-ci également, on peut parler d'effet mix media. Voilà. Alors, pardon. Le mot un pochoir, voilà, et j'ai utilisé donc la mousse. Je trouve que ça a un superbe rendu. Sur un des papiers de la collection, on avait donc tous ces cercles. Je sais pas si vous vous souvenez, on le verra peut-être un petit peu plus loin. Et donc, je suis venue détourer six cercles. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre. Il y en a un et deux ici. Donc, je suis venue les coller, donc on va dire un peu en quinconce, comme ça. J'ai mis un sentiment smile and be happy. Et puis j'ai mis ce superbe die cut ici pour casser un petit peu le bleu de ce tag. Voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Mais ce n'est pas mon préféré. Alors, de l'autre côté, j'ai réalisé donc une pochette avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un gros globe avec les différents hémisphères, etc., etc., etc. Donc, je l'ai découpé en deux. J'ai réalisé un matage avec du cardstock vert que j'ai passé avec mon ciseau crantheur. J'ai également utilisé mon ciseau crantheur au niveau du papier avant de le coller. J'ai utilisé donc un die cut bannière et ici, c'était un die cut washi tape que j'ai mis tout simplement pour faire la jonction entre ceci et entre le tag, voilà, et j'ai rajouté deux tags de la collection comme ceci, voilà. Alors, on passe maintenant à celui-ci. Donc, le papier au niveau du décor s'arrêtait à la machine à écrire, et dans les die cuts, il y avait donc ce papier style post-it, et en fait j'ai eu l'idée de le mettre au niveau de la machine à écrire, et bien tout simplement pour faire un effet de papier machine. J'ai pris un feutre noir et j'ai réalisé un semblant d'écriture. Ensuite, avec un autre pochoir, j'y ai mis donc la même pâte de texture avec des étoiles.
Un autre sentiment que j'ai maté avec une chute de papier passée au ciseau cranteur. Oui, je suis passionnée par mon ciseau cranteur. De l'autre côté, alors, je vais faire comme ça. Hop là. Voilà, donc de l'autre côté, j'ai pris une carte de la collection, la superbe esperluette que j'adore. Mais avant de la coller, donc j'ai de nouveau fait des projections avec le feutre nouveau et le feutre Edding. Avant de coller, j'y ai mis les deux grands pinceaux, parce que je les aimais beaucoup, mais je ne savais pas où les mettre. Donc je me suis dit, pinceau, esperluette, ça peut le faire. Le dernier die-cut fleur ici. Et j'ai fait une mini pochette pour y glisser quelques sentiments et une bulle. Voilà. Mini pochette qui a été réalisée avec eh bien, des chutes de papier parce que pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent sur ma chaîne YouTube, eh bien, vous savez que je déteste le gaspillage et quand j'ai des chutes comme ceci, j'essaye de les optimiser ou optimaliser, on dit un peu, je pense, les deux. Mais moi, j'ai envie de dire optimiser ces chutes de papier. Voilà. Et le dernier tag donc, que je vous présente, eh bien, c'est mon préféré. Ce que j'ai fait sur ce tag, j'ai tout d'abord réalisé un et deux tamponnages avec le tampon main que j'adore. Ensuite, je suis venue coller la loupe au niveau de la main. Je vous dis des bêtises. Avant la loupe, j'ai donc tamponné le washi tape qu'il y a sur la planche donc de la collection avec l'encre verte. Donc j'ai alterné les deux encres. Là maintenant, je peux vous dire que j'y ai collé la loupe. Ensuite, je ne savais pas trop quoi mettre. Et puis j'ai trouvé le mot art et photo. Et donc je me suis dit, ben, je vais partir là-dessus. J'ai donc en dessous du mot art mis la palette de peinture. J'ai entrelacé deux fleurs entre elles et que j'ai entrelacé dans le mot photo. Et entre les deux, j'ai mis une esperluette que j'ai matée sur du cardstock vert. Et comme vous pouvez le constater, il y a encore des projections du feutre nouveau. Voilà. Alors, on termine maintenant par celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Je vais retirer ce qu'il y a dedans. La première chose que j'ai faite sur ce tag, eh bien, c'est y apposer de la pâte de structure. Ensuite, avec un feutre noir, eh bien, je suis venue repasser certains motifs. J'ai ensuite utilisé un feutre bleu et un feutre vert olive, donc pour y faire des décors tout autour du tag. J'ai réalisé des tamponnages donc de 365 jours un petit peu partout, mais ceci à la limite, logiquement, on ne le voit pas encore. J'ai fait des projections avec mon feutre Edding et ensuite j'ai repris mon feutre noir et j'ai entouré toutes les petites gouttelettes. Voilà. Et ensuite, j'ai de nouveau pris une chute de papier. J'ai réalisé une pochette. J'ai pris ma perforatrice ronde pour faire une petite encoche. Et j'ai repris mon feutre bleu pour faire un effet fausse couture au niveau de cette pochette. À l'intérieur, j'y ai mis un des tags, un second tag. Et j'y ai mis la chute des chiffres. Voilà. Alors, au niveau de la cartonnette. Donc ça, je l'ai travaillé juste avant avec vous en accéléré. Donc, j'ai pris les visuels des différents papiers qu'il y a au tout début du bloc. Je les ai donc simplement collés en quinconce. J'ai ensuite encré les bords avec mon encre archival verte. J'y ai mis de la pâte de structure et dans cette pâte de structure, j'y ai incorporé les paillettes. J'ai ensuite mis une bande de chiffres. Voilà. Et donc, voilà le rendu. Personnellement, eh bien, ça me plaît beaucoup. Et pour terminer, donc, la toute dernière, entre guillemets, page, qui sera donc la cartonnette à l'arrière.
J'y ai mis donc toute une série de washi tape. Certains sont entiers, d'autres sont déchirés. J'ai collé ensuite une carte de la collection que j'ai ancrée. J'ai pris le ticket que j'ai maté avec un autre papier de la collection, une bannière, l'étiquette 365 jours par an. Et voilà le résultat. Donc la dernière chose que je ferai, c'est mettre une couche de vernicole, vu que c'est sur cette face que va reposer eh bien, notre création. Voilà, donc comme je vous le disais en fin de cette vidéo, vous allez retrouver une galerie photo pour voir certains tags de plus près. J'espère en tout cas que ce projet vous a plu. N'hésitez pas, bien entendu, à me laisser vos différents commentaires. Si vous avez aimé, bien sûr, me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, simplement cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification et vous serez averti des prochaines publications concernant l'ADT des kits de Corinne. Et en parlant des kits de Corinne, tous les liens vers ses différents réseaux sociaux seront en barre d'infos, ainsi que la liste des produits que j'ai utilisés et bien entendu le lien vers le kit du mois de septembre. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns disponibles, donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao !